amis. Salut, salut, salut. Tu m'as fait peur, là. Ah bah ouais. Bah ouais, mais il a l'énergie, il a déneigé. Mais là, attention, hein, on arrête le déneigement, là. On va pas faire une vidéo que de ça. Alors, on va pas vous faire une vidéo rien que du déneigement avec la fraise à neige et puis l'appel. Non, hein. Non, non. Stop, hein. Non, stop, c'est bon, là. Hein? C'est bon, on a donné, là. On est là pour quoi, aujourd'hui? On est là pour quoi? Ah, pourquoi on est là aujourd'hui? Eh ben oui, c'est votre premier camping-car, c'est votre première sortie. On va vous donner des petites infos pour pouvoir partir tranquille, sans stresser, et tout va bien se passer. C'est quelques petites informations comme ça, ça va être cool, hein? Ouais, ça va être cool, ça va être cool. Écoutez bien, et puis suivez bien tout ça, et tout va bien se passer après. No stress avec votre premier camping-car, votre première sortie. Allez, c'est parti! C'est pour la première sortie en camping-car. Alors, avec votre premier camping-car, voilà. Pour préciser. Parce que ceux qui font leur première sortie camping-car, qui ont déjà des camping-cars, ils savent très bien comment ça exactement se passe. Alors qu'ils soient neufs, qu'ils soient d'occasion. Il n'y a pas d'importance. Du moment que, voilà. Hein? Et c'est votre première sortie dans votre premier camping-car. Ouais. Alors comment ça va se passer? Vous allez stresser? Non, il ne faut pas stresser. Faut pas stresser. Alors on va vous expliquer quelques petites choses à bien regarder avant de partir, sur le lieu où vous allez être, et tout va bien se passer. Mais ouais, ah ouais. Vous inquiétez pas, le camping-car, c'est que du bonheur. Ouais. Alors, faut surtout pas paniquer, parce que dire, ah, c'est la première sortie, est-ce que ça va aller? Est-ce que ça va pas aller? Est-ce qu'on va oublier quelque chose? Vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Voilà, on va vous expliquer un peu les premières choses qu'il faut regarder au départ, voilà. Et tout ira bien. Voilà, faut que j'arrête de dire voilà. Ah, bah, il n'y a pas que moi qui dis voilà. Bon, les amis, alors, pour commencer. Pour commencer, eh ben, faut préparer votre camping-car. Ouais. Faut mettre de l'eau. Si vous pouvez mettre de l'eau, si vous êtes dans une maison, vous pouvez mettre de l'eau avant de partir. Ouais, ouais. S'ils sont en appartement, ils ne peuvent pas, voilà. Déjà. Mmh. Voilà. Il y a tout ce qui est au niveau. Bah, déjà, de l'eau, du gaz. Oui. Du gaz. Oui. Hein? Oui. Et puis, regardez si vos batteries cellules sont bien rechargées quand même. Ouais, regardez tout ça. Regardez si le frigo marche. Regardez si voilà. La plaque de gaz marche. C'est pas quand vous serez sur votre air ou dans votre camping ou dans un France Passion que là, vous direz « Ah, maman, ce gaz marche pas. » Il faut vérifier tout ça avant de partir. Quand même, tester ça. Donc, si vous avez de l'eau, du gaz, de l'électricité, déjà... Vous partez de bon pied déjà. Voilà. Hein? Déjà, ça. Vous êtes déjà bon. Ouais. Alors, un petit conseil. Le frigo, on le met en route un petit peu en avance. Oui. Comme ça, quand vous partez, il est froid. Donc, en fait, le frigo, si vous avez possibilité... De le brancher. Allez, on va vous dire 12 heures à l'avance. Ouais, c'est ce qu'on fait, nous. Ouais, 12 heures. 12 heures à l'avance, si vous pouvez 24 heures à l'avance, bah vous le faites. Vous branchez comme ça quand vous arrivez, vous prenez ce que vous avez besoin, vous pouvez le mettre dedans et c'est voilà. Déjà votre froid. Frigo est fait, il y a les glaçons qui sont faits, pas oublier les glaçons. Très important. Très important les glaçons. Très important. Donc déjà, si vous avez tout ça, déjà c'est déjà pas mal. Voilà, hein? Exactement. Un petit coup de jauge d'huile dans le porteur. Ouais. L'eau. Le lave-glace. Le lave-glace. Bon, voilà, hein, ça c'est primordial. On va pas vous expliquer tout ça. Hein. Si on peut leur dire aussi qu'ils regardent tout ça avant de partir. Ouais, hein. C'est normal, hein, la pression des pneus. Ouais, la pression aussi. Des pneus. Parce que si vous avez une petite fuite, machin, c'est bien quand même de regarder la pression des pneus. Bah, déjà, au moins de faire un tour visuel, si vous voyez qu'il y a un pneu qui est un peu à plat, vous dites, ah, il y a peut-être un problème. Voilà, vous avez pris le GPS, vous avez pris les cartes. Les cartes, ouais. Voilà, donc. Et je vais vous donner une petite combine. Alors, c'est. La liste à Fabienne. Alors, la liste à Fab, c'est... Alors, je note tout ce qu'il faut sur une feuille, des deux côtés. Je photocopie et à chaque fois, j'ai ma feuille de route. À chaque fois, je pars, je vais dans mon camping-car. J'ai telle et telle et telle chose. Hop, tac, 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 stabilo, bas, stabilo. Un coup, j'ai pas, hop, je retourne à la maison, je vais chercher où je marque sur ma liste de courses. Alors, c'est une photocopie comme ça. Voilà. Alors... Pour la cuisine, alors il vous faut de toute façon les trucs primordiaux, sel, poivre, moutarde, huile, vinaigre, thé, café, sucre, voilà. Voilà, et la vaisselle, les verres, bien sûr, tout ce que vous avez à prendre pour manger. Voilà, puis après, bah, vous mettez dans les placards, c'est suivant vos goûts. Hein. Mais il faut prendre toujours ce qui est primordiaux, les bouteilles d'eau. Les bouteilles d'eau, très important, parce qu'on le répète, on ne boit pas l'eau
du camping-car de la cuve. Voilà, on a eu un peu cette question-là sur, sur Facebook voilà. La semaine dernière. On ne boit pas. On a vu une famille, on a vu une famille qui a gâché leurs vacances parce qu'ils n'étaient pas au courant. Il y a un camping-car de location, ils ont pris de l'eau. Ça, c'est une petite anecdote. Ils ont pris de l'eau à quelque part dans un truc. Hein. Ils ont rempli leur réservoir. L'eau n'était pas spéciale. Il y avait des bactéries dans l'eau. Les bactéries se sont développées dans le réservoir. Ils ont bu comme ils font à la maison. Hein. Les enfants avaient soif, tout ça. Ils ont quand même passé 5 jours à l'hôpital. Ouais, donc, on ne boit pas, on ne boit pas l'eau de machin. Donc, vous prenez vos bouteilles d'eau. Tout à fait. Alors, ensuite, pour tout ce qui est cuisine, papier alu, film alimentaire... Bon, pour la toilette, salle de bain, c'est pareil, le papier WC, les boîtes mouchoirs, les shampoings, les produits douche, tout ce que vous avez besoin. Après, c'est suivant vos besoins, les serviettes de toilette, tout ça, la pharmacie aussi. Alors, tout ça, le linge de maison, le linge, linge pour fil, pour moi, voilà, les pantalons, les pulls, tout ça, les chaussures. Après, pour le chien, vous pensez à prendre, d'accord, mais la gamelle, les papiers du chien, tout ça. Ensuite, carnet de santé du chien. Carnet de santé, très important. Après, j'ai une autre liste, c'est diverses. Alors, diverses, vous avez les papiers fil, les papiers FAB, la carte grise, l'argent, les carnets de chèques, le chargeur téléphone, le sac à dos, lampe de poche, sac cabas, appareil photo, lunettes de soleil. Alors, bon, ça, je vous ai dit ça en gros. C'est ce qui est primordial pour vous. Après, vous vous faites une liste avec vos besoins à vous. Recto, verso. Voilà, et toutes les fois que vous sortez, vous avez votre liste. Et vous faites votre état des lieux dans votre camping-car avec votre liste. Et vous prenez toutes les fois ce que vous avez besoin. Et tout est... Comme ça, vous n'oubliez rien. Voilà. Alors, Fab, attention, quand elle fait sa liste. Voilà. Moi, la veille qu'on part, je prends ma liste. Je vais dans le camping-car. Voilà, je vais dans les toilettes. Ah ben, j'ai ça. Tac, 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 j'ai ça, j'ai ça. Ah ben, il me manque ça. Ok, demain, je vais faire les cours, j'achète ça. Ou je prends à la maison ce que j'ai besoin. Voilà. Alors c'est bien quand vous êtes en couple, si vous avez des enfants, même faut que tout le monde participe. Donc Fab, elle s'occupe tout ce qui est intérieur de la cellule et tout ça. Moi, je m'occupe du plein d'eau, je m'occupe des batteries, je m'occupe du véhicule, charger les vélos si on prend les vélos. Je m'occupe de tout ça. Voilà. Donc chacun a son petit travail à faire. Voilà. Et comme exactement. Ça, quand vous partez, c'est complémentaire. On n'a pas oublié ça. Et puis voilà, hein, il n'y a pas à paniquer. De toute façon, si vous oubliez un petit truc, Vous partez pour un week-end, c'est pas. Ouais. Il n'y a pas mort d'homme. Hein. De toute façon, c'est ce qu'il faut faire la première fois que vous partiez. Il ne faut pas partir bien loin. Et puis être sûr de où vous allez pour que tout se passe bien. Parce qu'après, quand vous arrivez à l'endroit, à la destination que vous avez prévue, voilà, il y a un tas de choses à faire aussi. Ouais. Hein? Ouais, ouais. Voilà. Ouais. Déjà, suivant où vous êtes, il va falloir mettre le véhicule sur les cales. Voilà. Déjà. Après, suivant si vous voulez l'électricité ou pas, il y a les branchements. Ouais. Ils sont aussi sur les airs. Branchements. Voilà. Ouais. Chez France Passion, vous n'avez pas forcément l'électricité. Mais bon, peut-être si vous avez un panneau solaire. Si... Donc après, tout ça, les batteries chargées, l'eau, le plein fait. Maintenant, il va falloir quand même apprendre à gérer tout ça. On n'est pas à la maison. Alors toute la famille, faut apprendre à gérer. Si vous avez des enfants, va falloir leur apprendre à gérer ça. C'est-à-dire que quand on n'est pas à la maison, si vous prenez une douche, on laisse pas couler l'eau. Hein. On se mouille, on se frictionne avec le savon. On économise. Voilà. On économise l'eau. Voilà, exactement. C'est pareil, hein, pareil à l'évier, quand vous faites la vaisselle. Exactement. Faut économiser l'eau, parce que l'eau, ça va vite vous remplir. Hein. Dans un camping-car, vous n'avez pas... si c'est un camping-car, tout à fait normal, vous n'avez pas 600 litres de flotte. Non, hein. C'est pas possible, c'est dans les gros liners qu'ils ont ça. Une centaine de litres. Vous avez une centaine de litres d'eau, donc et puis... C'est vite épuisé, si on ne fait pas attention. Non seulement ça pompe dans le réservoir d'eau propre, et puis après ça va dans le réservoir d'eau grise. Tout à fait. Donc après, il va falloir vider tout ça. Donc ça, c'est une chose à... Faut apprendre à être un petit peu écologique. Comme la lumière et la télévision. La télévision, vous comme la regardez. Après, si vous voulez plus la regarder, vous l'éteignez, vous ne la laissez pas allumer. La consommation d'énergie aussi
Ah ben oui, Il normal. faut, il faut, il faut économiser tout ça. On laisse pas la lumière allumée, on laisse pas la télé allumée, on laisse pas une radio allumée. Voilà, c'est toutes des petites choses qu'il faut économiser. Ça économisera vos batteries et vous n'aurez pas de problème. Voilà, Voilà. exactement. Vous êtes dans la cuisine, vous avez besoin de la lumière dans la cuisine, vous n'avez pas besoin de la lumière dans la chambre. Voilà. Voilà, c'est toutes des petites choses qu'il faut regarder. Voilà. Après, quand vous aurez pris l'habitude, ça va aller. Après, Même ça va tout après, vous seul. aurez tellement l'habitude que vous ferez la même chose à la maison. Voilà, exactement. Après, Ah ouais, c'est après, vrai. on prend ces habitudes-là. Après, à la maison, on économise l'eau, on Vous verrez, ouais, économise c'est vrai l'électricité. ça à la maison. Je sais que quand on vient soit d'un week-end en camping-car ou soit si on est parti une semaine, 15 jours ou 3 semaines, quand on revient, on fait attention quand on prend une douche. Bah, c'est comme dans le camping-car, on évite de laisser couler la flotte comme ça. Voilà. Donc après, voilà, vous allez aussi gérer les WC. Bon, bah voilà, Ouais, c'est pas compliqué, c'est pas faut pas vous compliqué stresser ça. avec la cassette des WC, hein. Voilà. C'est tout simple, d'ailleurs il y a la vidéo, Voilà, je vous la mets là, là, c'est ouais, là, c'est la 28, je crois que hein. c'est là. Tac, là, un Voilà. tac. Vous allez cliquer dessus et vous allez voir pour faire Comment ça se les services, passe? hein, la cassette et tout ça. Ouais, ça se Voilà. passe très bien, c'est pas si dégoûtant que ça, et on en prend vite l'habitude. Voilà, alors moi j'avais fait une petite fiche, bon, voilà, on vous a parlé de ça, donc pas de stress, il y a point S. Ouais, non, je joue pas. Voilà, l'eau, l'électricité, voilà. Après, il y a le stationnement. Le stationnement et surtout la destination. Alors, la destination pour la première fois, votre première sortie, c'est bien quand même de savoir où c'est que vous allez. Ou alors, si vous voulez, si vous êtes des aventuriers dans l'âme, un peu comme nous, bah vous partez, comme on dit, à l'arrache, hein. Puis vous verrez bien où c'est que vous arrivez. Si vous avez peur de stresser avec ça, dire on va dormir au bout, voilà, prévoyez alors. Voilà, oui, prévoyez un petit endroit Voilà, tranquille. vous prévoyez un petit endroit tranquille. Alors maintenant, il y a plein de choses. On a de la chance que, à l'heure actuelle, il y a plein de choses. Smartphone ou alors ordinateur. L'application Park4Night. Je vous mets le petit logo là. Je vous mettrai en description en bas la feuille. Vous allez cliquer dessus. Sur votre smartphone, vous pouvez télécharger l'application. Elle est gratuite. Et là-dessus, c'est une mine d'or. Ah, c'est une mine C'est d'or, une mine effectivement. d'or. Bon, bien sûr que ceux qui n'ont pas Internet, qui n'ont pas de smartphone, il y a des bouquins qui sont adaptés avec Il y les a les aires de cartes, voilà. stationnement, Ouais. qui sont répertoriées dans des Dans bouquins, les les bouquins. aires de Aires de stationnement camping-car, voilà. 2019, voilà, vous aurez tout. Ouais, tout ça. Ouais. Les bouquins, ça s'achète, hein, aussi bien chez votre accessoiriste de camping-car, votre concessionnaire, et ils vendent ça aussi, hein, dans les accessoires. Petits bouquins, vous pouvez les commander aussi sur le net. Oui, il y a Il y a même des plein. fois dans des magazines, ils donnent aussi, hein, dans des Ouais, mais c'est magazines. moins complet, quoi. Oui, Il c'est y a moins les petits bouquins complet. comme ça épais, vous avez toutes les aires, hein, pour ceux qui. Bah, qui n'ont pas de smartphone. Autrement, pour ceux, quand même, il y a quand même les trois quarts des gens qui utilisent des smartphones. L'application Park4Night, je le répète, c'est une mine d'or. Nous, On fait tout avec. on fait tout avec ça. Et Si France vous voulez. Passion aussi. Voilà, et France Passion, bien sûr, France Passion. Alors, Mais si bon, vous il y avez a. France Passion, là, vous avez le Exactement. bouquin. Ouais, mais il y a aussi beaucoup de France Passion sur Park4Night. Ouais, aussi, voilà. Alors après, la chose, eh ben, vous choisissez votre petite destination. Si possible, bah vous choisissez une belle petite aire. Sur Park4Night, plus elle a d'étoiles, plus vous allez avoir de la chance Voilà. d'avoir une aire où vous allez être Ouais. tranquille, sympa, il y aura tout à disposition, c'est sympa. Alors, regardez bien sur Park4Night, surtout, regardez, c'est surtout les Les commentaires des commentaires. gens qui sont venus. Voilà. C'est très intéressant parce que eux, c'est eux qui nous disent vraiment si c'est bien ou si c'est pas Si c'est bien, pas bien. suivant les étoiles. Bon, il y a des ronchons quand même, hein. Oui, il y a toujours des Il y en ronchons. a, Ouais. voilà, de temps en temps vous allez voir, Oui, il y mais en sur a des un. commentaires, s'il y a deux ronchons, bon Voilà, ben vous allez voilà. voir, là, ouais, c'était pas bien parce que j'ai entendu le coq du voisin qui a chanté tout le Voilà, ou matin. le clocher de l'église. Mais bon, on est en France, on a des clochers, on Bah a tout. Ah, voilà. ouais. Il y a des ronchons. Mais bon, alors voilà, la destination, eh ben, vous avez choisi votre petite aire, vous dites, allez, on va là-bas. Allez, c'est parti, on y Contact va. moteur, on y va, tac. Exactement. Et Voilà. puis après, une fois là-bas, eh ben déjà, vous arrivez. Oh là là, il y a deux, trois camping-cars. Ouais. Alors, faites attention. Ne vous mettez pas trop près des autres camping-cars. Non, vous collez pas. Chacun a sa liberté, a son intimité. Voilà. Donc, il faut préserver tout ça pour que tout se passe bien entre voisins. Camping-caristes, on va dire ça, comme ça. Puis après, ben, il faut, suivant si c'est stable, pas stable, si c'est en pente, pas en pente, eh ben, on sort les cales. Vous calez votre véhicule, vous vous installez propre, net.
Vous arrivez déjà dans l'endroit sur l'air, si c'est une air ou un France Passion, tout ça, vous arrivez doucement, c'est pas la peine d'arriver. On en voit plein maintenant, hein. Il y en a, ils sont. Tout énervés, hein. Tout énervés, ils arrivent vite, vite, comme si quelqu'un allait leur piquer la place. Ah non, voilà. Et puis, bah, naturellement, déjà. Bah, il faut mettre de niveau. Ouais, faut il faut mettre de niveau avec ce fameux niveau qu'il faut jamais oublier. Hein, pareil. Voilà, alors il y a des petits niveaux, des grands niveaux, puis il y a des tout grands, mais ceux-là, c'est pas la peine. Il y en a qui vont avec le smartphone, il y en a qui vont. Voilà, vous mettez votre camping-car si possible droit, comme on vous a dit, comme ça, dans la vidéo. C'est tout aussi bien pour vous qui allez dormir dans votre véhicule que pour le frigo aussi, et pour les écoulements du véhicule. Ça, on l'a déjà dit, ça. Ouais. Voilà, mais il faut le redire, c'est leur première sortie. Voilà, ouais. Voilà. Donc une fois que vous êtes installé, la première fois que vous sortez du véhicule, quand vous êtes garé, si vous voyez des camping-caristes à côté, le bonjour, ça va de soi, hein. Ouais. Peut-être que vous direz bonjour et les autres non. Alors, ça, ça arrive souvent. Il y en a qui ne vont pas vous répondre. Ouais, ça arrive souvent. Ça arrive souvent. Il y a des ronchons qui font la gueule. Ne soyez pas déçus, ça ne se passe pas déçus, toujours c'est comme normal. Ça. Ça se passe pas toujours comme là, ça. Là, ils font la gueule. La plupart du temps, c'est un apéro le soir. C'est voilà, c'est la top. Plupart du temps, il y a des gens sympas. Voilà. Hein. Ma foi, voilà. Après. Après, vous passez votre petit week-end tranquille. Bah, maintenant que vous êtes bien installé, vous buvez l'apéro parce que vous l'avez bien mérité. Ah, oui. Et vous vous dites, c'est pas si compliqué que ça. Bah non. Voilà. Voilà. Bon, après, pour rentrer, il y a beaucoup de. Il faudra vider la cassette. Il faudra faire les services. Il faudra vider l'eau grise. Il faudra viser les eaux grises. Un petit conseil. Quand vous rentrez, moi je ne laisse jamais d'eau propre dans le réservoir. Si vous ne servez pas du véhicule, si vous partez un week-end et quand vous rentrez, vous savez très bien que pendant une semaine ou 15 jours, vous n'allez pas vous resservir de véhicule. Vider. On a dû vous expliquer ça lors de l'achat de votre véhicule. Il y a une vanne pour vider toute votre réserve d'eau propre. C'est voilà. Pensez bien à couper la pompe au tableau, parce que à chaque fois que vous allez retourner dans votre camping-car allumé, la pompe elle va tourner. Et s'il n'y a pas d'eau, la pompe elle va pas aimer. Donc voilà, ça c'est juste un conseil. Moi je laisse jamais de l'eau stagnante plus d'une semaine dans le véhicule. Voilà, de l'eau propre. Hein. Idem les eaux usées. Hein. On laisse pas de l'eau usée dans le véhicule. Vous videz avant de rentrer que ce soit tout vide, parce qu'après vous avez des problèmes d'odeur et tout ce qui s'ensuit. Hein. Voilà. Voilà. Hein. Donc ça, puis voilà. Quand vous rentrez, vous coupez tout, vous videz le frigo, bien sûr. Voilà. Vous rentrez tout ce qui vous reste. Vous laissez à la toujours le frigo, une fois qu'il est vidé et qu'il est arrêté, vous laissez le frigo entrouvert, la porte. Alors il y a soit des petits clapets exprès pour laisser les portes ouvertes, ou soit vous mettez quelque chose, une petite cale. Ne jamais laisser le frigo ouvert. Après, il y a des odeurs dans les frigos. Voilà. Ouais, je crois que c'est bon. Voilà. Peut-être qu'on a oublié beaucoup de choses. Oh, on a oublié sûrement beaucoup de choses. Quand vous êtes en week-end à quelque part, vous allez vous balader, vous allez visiter, vous allez dans les commerces locaux, les petits commerces. Si vous allez chez le boulanger du coin, chez le boucher, chez la petite supérette du coin. Ouais. Vous discutez un peu, puis vous dites, on est camping-cariste, on est là, machin. Ça fait toujours du bien, ça fait montrer que le camping-cariste, il consomme. Il est là pour consommer. On n'est pas des pestiférés, comme il y en a plein de communes, ils nous prennent pour des pestiférés. On veut pas de camping-car. Les camping-cars interdits de stationner dans notre commune et tout ça. Alors, quand vous partez, d'ailleurs en balade ou faire les courses, n'oubliez pas de bien fermer votre camping-car et de ne rien laisser. Ouais. De valeur dedans, non. Si possible, parce qu'il y a toujours des gens mal intentionnés, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Donc tout ce qui est important, tout ce qui est papier, carte grise, qui est très important de garder sur soi et non dans le véhicule, parce qu'en cas de vol de véhicule, vous aurez un problème avec vos assurances au niveau de la carte grise. Donc tout ce qui a de la valeur quand vous partez, vous prenez tout avec vous. Je vais redire que j'ai toujours mon sac à dos qui est rempli. Enfin, ça, non, mais c'est vrai. J'ai toujours mon sac à dos avec tous mes objets de valeur, avec même les papiers du chien dedans, nos papiers, les carnets de chèques, l'argent, tout. Tout est sur nous quand on part du véhicule. Il faut bien vous dire qu'un camping-car, ça souffle très facilement. Très, très, très facilement. C'est des baies en plastique. Il y en a qui sont habitués de ça. Et voilà. Et laissez pas votre véhicule tout seul sur un parking comme ça, parce que là, c'est sûr que vous allez vous faire braquer. Hein. Voilà.
Et puis, il ne faut pas non plus psychoter. Non. Hein. Nous, on vous donne des conseils. Voilà. La preuve, c'est qu'on est toujours là et que tout se passe bien, quoi. Voilà. Tout se passe bien, que les week-ends se passent bien. C'est juste des petits conseils. Voilà. Quelques petits week-ends tranquilles, puis après, vous êtes bon pour les vacances de cet été avec votre véhicule que vous avez reçu, que vous allez recevoir. Et vous rêvez déjà de vos voyages. Alors, c'était quelques petits conseils pour votre première sortie. Voilà. Et puis, on n'arrête pas de le dire. Enfin, moi, j'arrête pas de le dire. Parce que c'est vrai, il n'y a pas autre chose. Le camping-car, c'est un antidépresseur. Vous êtes bien quand vous partez avec votre véhicule, vous allez visiter, tout ça, vous êtes trop bien. Ouais. Vous êtes trop bien, le week-end se passe bien, ça vous aère la tête. Même, vous n'avez pas besoin de partir bien six loin. Mois. Hein. Ouais, et puis bien loin de la maison. Ben voilà, vous partez deux jours. Quand vous allez voir, quand vous allez revenir au bout de deux jours, vous allez rentrer à la maison, vous allez rattaquer le boulot lundi. Vous pétez le feu. Eh ben, c'est comme si vous étiez parti une semaine, quinze jours. C'est génial. Voilà, c'est génial. C'est génial. Donc profitez bien de vos véhicules. Ouais. Entretenez. Quand vous revenez, vous lui mettez un petit coup de nettoyage, un petit coup d'aspirateur. Comme ça, il est prêt pour le redémarrage la semaine d'après ou plus tard. Et puis, tout est parfait. Tout se passe bien. Se passe bien, les amis. Voilà. Sinon, on a fini, là. Moi, je crois, on attend le nôtre pour le préparer. Ouais. Bon, bientôt. Alors, on va vous donner une petite info. Il est arrivé en concession chez notre concessionnaire Isaacar Loisirs. Et là, il est en préparation. Mais peut-être quand la vidéo sortira, il sera déjà ici. Hein. Ouais, tu as déjà dit ça l'autre fois. Enfin non, t'as déjà dit qu'il est arrivé. Mais en plus, il était arrivé. Ouais, c'est possible. C'est possible, peut-être qu'il sera à la maison. Pour l'instant, on ne sait pas parce que là, il est, comme vous avez pu voir en début de vidéo, il a énormément neigé. Donc là, on peut pas l'amener. Là, on peut pas le mettre à la maison. Ça ne montera pas. Hein. On a une montée pour aller arriver à la maison, ça ira pas. Mais là, pour l'instant, il est en préparation, donc il y a tous les accessoires à monter. Donc, ils vont prendre leur temps. On a beaucoup de travail aussi pour la préparation d'une autre. Voilà. Donc, j'espère qu'on vous aura aidé un petit peu dans votre première sortie. Pour la première sortie, surtout, no stress, no panique. Tout va bien se passer, la conduite du véhicule, de toute façon, vous avez l'habitude, un camping-car, ça se conduit comme une voiture. Il faut avoir le gabarit dans la tête, faut pas vous engager n'importe où. Vous inquiétez pas avec ça, prenez votre temps, ne paniquez pas si vous avez des manœuvres à faire. Il y en a un qui descend, qui guide pour les manœuvres, ne paniquez pas. C'est quand vous paniquez et que vous faites n'importe quoi, c'est là que ça arrive, il y a des accrochages à droite à gauche. Donc ne paniquez pas avec ces véhicules, On est passé dans des coins, nous, avec les camping-cars. C'était chaud. C'était chaud bouillant, avec le camping-car. On est passé dans des coins avec le camping-car plus la remorque. J'ai quand même fait les gorges de la Bourne avec le camping-car et la remorque derrière. On a fait les gorges du Verdon. Comme quoi, faut pas stresser. On a fait plein de choses. Ouais. Et des fois, vous arrivez dans un virage, il y a un car en face. Bon, faut pas paniquer, on va se ranger. Le chauffeur du car, il a son gabarit dans la tête, tac, et ça passe. Même s'il y en a qui klaxonnent derrière, vous les laissez klaxonner, les presser, ils prennent l'hélicoptère ou ils prennent l'avion. Ils vont dans les pays chauds. Donc, pas de panique, tout se passe bien, il y a toujours une solution. Et puis, il faut quand même pas oublier que les routes que vous allez emprunter, c'est un petit clin d'œil à notre ami Jean-Paul. Il y a des professionnels de la route, des chauffeurs, qu'on a un paquet de mètres derrière, qui sont en semi-remorque et tout ça, eux, ils passent. Alors, avec votre petit camping-car qui fait 7 mètres 50, pensez que... Ça, faut toujours vous dire ça. Moi, je me dis toujours ça. Je dis, la route qu'on emprunte là, avec le camping-car, il y a des professionnels de la route qui les empruntent avec des semi-remorques. Donc, il n'y a pas de raison qu'on passe eux, pas. Eux, ils passent. Nous, on passe. Voilà. Bon les amis, si cette vidéo vous a apporté quelque chose, j'ai oublié, faut surtout pas qu'ils oublient quand vous partez. Viens là toi. N'oubliez pas le pinot pour l'apéro du soir. On l'a déjà dit, pas de pinot, mauvaises vacances, mauvais week-end. Pas de pinot, pas de dodo. Pas de pinot, pas de dodo, pas d'apéro. Exactement. Voilà. Bon sur ce les amis, on vous souhaite une super première sortie. Amusez-vous bien, profitez bien et que tout se passe bien. Il n'y a pas de raison, voilà. On vous a donné quelques petites informations. Voilà. J'espère que vous en prendrez bonne note.
Et puis, bonne route. Bonne route à tous. Et puis, si vous avez des petits problèmes, ne paniquez pas non plus. Alors là, hein, il y a les concessionnaires qui sont là où vous achetez votre véhicule. Bah, vous les appelez. Bah, il y a ça qui marche pas, il y a ça qui marche pas. Ne paniquez pas. Voilà. Voilà, les amis. Allez, on vous embrasse. Si la vidéo vous a apporté quelque chose, un pouce en avant. Si elle vous a rien apporté, un pouce en bas. Abonnez-vous. Et puis, quelques commentaires, ça nous fait toujours plaisir. Ah ouais. On sait que vous pensez à nous. Allez, voilà. Bisous. Bisous à tous. Ciao, les amis. Et puis, bonne première virée. Ciao.